soirée de Fort Boyard. Aujourd'hui, je fais deux reviews exceptionnelles. Donc, vous connaissez bien cette musique. C'est la musique de Barbie et le secret des sirènes. Et du coup, je vais vous présenter cette poupée-là. Bon, elle, c'est Barbie normale. Et du coup j'ai mis les vêtements de sirène. Et comme je voulais vraiment faire cette review là, donc comme vous l'avez vu, cette poupée dans la présentation des poupées Barbie, toutes les collections des poupées, voilà quoi. Et du coup, je vais commencer par celle-là, voilà. Donc, et c'est sa queue de sirène. Elle est violette, mais vraiment très belle, avec les petits dessins dessus. Je crois que c'est un... Ah, je sais plus comment s'appelle ce truc, parce que c'est vraiment trop joli. C'est comme une artwork ou je sais pas... Non, c'est pas une artwork. Je crois que c'est un dessin de... des nuques de poisson, mais c'est vraiment magnifique. C'est vraiment trop beau. Et en plus, ça arrive jusqu'à aux jambes. Ici. Oui, parce que quand même, vraiment magnifique. C'est un truc de malade que j'ai trouvé. Alors, il est comme ceci. Le haut, il est comme ceci. Avec le petit dentelle dessus. C'est super mignon. C'est une soutif en forme de sirène aussi. Avec des dessins dessus. Violette. Vraiment très jolie. Et des petits diamants dessus. Enfin, les petites perles. C'est vraiment, mais vraiment trop joli. Et j'adore cette poupée là comme ça. Et j'ai acheté au bourse aux vêtements, parce qu'il y avait des petits jouets de Barbie et un petit peu de vêtements, de tout, enfin un peu tout quoi. Du coup, c'est vraiment trop joli. Voilà. Le visage, vous connaissez déjà. Donc, elle a la rouge à lèvres beige, un petit peu orangé, je trouve. Ouais, un peu comme ça. Elle a des fards à paupières un peu marron. Elle a des yeux bleus superbes. Elle a les petits fards à paupières un peu beige ou un peu blanc, je crois, comme ça quoi. Et j'ai fait une petite queue comme ceci, mais il faut que je la refasse. Du coup, voilà quoi. Donc, j'espère que cette poupée, elle vous plaira. Par contre, comme je l'ai mis cette tenue de sirène, je ne m'en dis pas de plus. Je vous montrerai ça dans ma nouvelle série de... Enfin, nouvelle saison des Wix, saison 8. Voilà. Donc, on passe à la suite. Donc, à la suite, il s'agit de cette musique que vous connaissez déjà tous. Et oui, comme j'ai la vraie poupée de Barbie et le secret des fées, donc, je voulais la montrer. La voilà, et voici la poupée, enfin la vraie poupée Barbie et le secret des fées, avec ses ailes magnifiques. J'adore ses ailes de poupée Barbie, parce qu'elle est vraiment splendide. Quand je la voyais au vide-grenier, oh, je la veux, il le faut. Et du coup, c'est exactement ce que je voulais tellement beaucoup. Et du coup, elle est comme ceci. Donc, c'est parti pour la review. Avant de vous dire cette poupée, en fait elle n'est pas assez complète, il manque juste ses chaussures et sa vraie collier, parce que je ne savais pas qu'il m'en manquait un peu des choses, mais du coup j'ai resté les rajouter des trucs, mais par contre pour les pieds j'ai pas trouvé une solution, alors dites-moi en commentaire si je peux faire quelque chose sur ses pieds, parce que je trouve que c'est pas aussi terrible, alors du coup je suis un peu dégoûtée quoi, voilà. En fait comme vous ne voulez pas... en courant, c'est que en fait cette poupée là, c'est que en fait elle a deux en un, en fait un en tenue normale qui est en dessous avec la jupe, je crois que je l'ai vu dans le film Barbie et le secret des fées, et du coup elle portait une jupe violette mais vraiment trop belle, mais par contre elle a un petit peu cassé et je sais pas comment elle a fait. Donc ça c'est sa petite jupe de sa transformation en fée. Donc elle a des trois volants. Il y a bleu normal, bleu foncé et un peu tout. Et en dessous, à côté, il y a des petites dentelles roses. Mais vraiment trop flashy, c'est vraiment trop belle. C'est vraiment magnifique. Alors du coup, voilà.
Ça, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est accroché sur les ses cheveux. Mais comme elle est vraiment tout abîmée, cette poupée-là, alors je l'ai trouvée au vide-grenier. Tout simplement parce que j'avais complètement oublié de vous dire, depuis le précédent de cette vidéo-là, j'ai fait tous les reviews des poupées Winx, puis les poupées normales et surtout les poupées Barbie, des restes que je voulais tellement beaucoup. Et du coup, je sais pas pourquoi, à quoi ça sert. Voilà. Puis j'ai rajouté les petits bracelets ici, comme ceci. Mais ça, c'est dans la transformation de Barbie, le secret des fées. Comme j'irai, c'est vraiment le faire. Alors du coup, ça fait un peu l'original. Voilà. Soho, elle est rose, vraiment flashy, avec le petite ceinture de paupières. Enfin, les paupières, les têtes. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Sa ceinture un peu pailletée. C'est vraiment super joli. C'est vraiment trop belle. Alors, c'est. Voilà. Donc, là, j'ai rajouté un petit collier. Mais je sais pas comment j'ai fait. Mais bon, dites-moi en commentaire si vous l'aimez comme ça ou pas. Et du coup, elle est comme ceci. Au niveau de son visage, alors là, elle est magnifique. C'est jamais vu de poupée de toute ma vie. Elle est vraiment superbe. Donc, elle a des rouges à lèvres violettes, mais vraiment flashy. C'est vraiment trop belle. Oh, jamais vu cette poupée-là. Elle a des petits fards à paupières jaunes. Je dirais jaune foncé, quoi, ou clair. Elle a des jolis fards à paupières violettes et un peu roses. C'est vraiment trop beau. Oh, même ses yeux de elle. Oh, attends, si j'arrive à zoomer. Regardez, elle a les yeux bleus splendides. Elle est vraiment magnifique. J'ai jamais vu cette poupée-là de toute ma vie. C'est vraiment splendide. Et du coup, j'ai refait une nouvelle coiffure, mais un peu d'origine. Mais ça, je vous montrerai ça dans ma série des Winx, comme je vous l'ai dit. J'ai fait un petit cœur dessus et un petit cœur de lui, ici. Et j'ai fait deux petites couettes super mignonnes parce que ça fait un peu l'origine de la transformation. Du coup, elle est vraiment magnifique. Voilà. J'ai jamais vu cette poupée de toute ma vie. Elle est vraiment magnifique. C'est exactement ce que je voulais tellement beaucoup. Par contre, quand je battre ses ailes, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu pété. Mais en fait, il faut se battre ses ailes comme ceci, mais je sais pas pourquoi, comment ça se fait. Alors du coup, vous appuyez ici et ça fait battre de ses ailes comme ceci, mais elle a un petit peu pété je trouve, parce que c'est là qu'il faut baisser, enfin comme ceci et comme ça. C'est un truc de l'électrique que j'ai jamais vu de toute ma vie. Voilà quoi, elle est comme ceci. Comme vous l'avez pas vu, ses ailes, elle est splendide. Oh, elle a des couleurs superbes. Elle a un petit peu bleu, un peu jaune, orange, rose pailleté. Mais waouh, elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment splendide. Elle a des petites ailes de papillon, mais vraiment trop belle. Et autour, il y avait des petites, les petites paillettes dessus, autour. C'est vraiment, mais waouh, elle est vraiment magnifique. Et quand je bats, c'est ça. Elle est vraiment splendide. Et quand je batte ses ailes, c'est super compliqué pour faire ma série. Du coup, j'ai vraiment besoin de le faire. Elle est vraiment magnifique. Donc voilà, voici les deux poupées présentées, enfin les reviews. J'espère que la vidéo vous aura plu et rendez-vous très très vite pour une nouvelle aventure de prochaine vidéo. Voilà. Et du coup, c'est la première fois que j'ai pas fait vidéo parce que, enfin, c'est pas la première fois. C'est juste une troisième review parce que ça fait vraiment pas longtemps que j'ai pas fait les reviews des Winx et surtout les reviews des poupées Barbie que j'ai vraiment pas le temps. Mais bon, là j'ai beaucoup le temps possibilité parce que comme je suis en vacances, parce que d'habitude je travaille, mais en fait non, je travaille pas, en fait je suis en vacances. Donc voilà, c'est juste pour prévenir pour ça. Alors j'espère que
ça ne me dérangeait pas du tout. Et puis je suis hyper contente de retrouver tous les poupées Winx et les poupées Barbie. Exactement ce que je voulais. En plus, j'ai vraiment besoin pour faire ma série. Exactement ce que je cherchais. Par contre, je suis vraiment carrément bloquée à la saison 8. Je ne sais plus quel épisode j'ai arrêté. Je crois que j'ai arrêté... enfin bref. Très long à vous expliquer, mais je ne dis pas, c'est top secret. Voilà. Et bien sûr, je vous dis, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt, vite, pour une prochaine nouvelle vidéo et une nouvelle review. Voilà, bisous à tous, bye. À très vite, salut. Oh zut! Avant de vous quitter, j'avais complètement oublié de zapper, de vous montrer ma deuxième poupée de Barbie et le secret des fées. Donc, la voilà. J'ai complètement oublié, alors du coup, elle c'est une Barbie normale, avec sa tenue en dessous, c'est une en dessous de sa transformation. Par contre, il manque juste ses ailes, malheureusement. C'est hyper dommage, parce qu'il était en bon état celui-là. Par contre, il y a une petite fée que j'ai accrochée sur ses cheveux. Sur les chouchous là qui est là, donc j'avais complètement zappé et en plus c'est une belle maquillage dessus, c'était donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle prochaine vidéo. Bye.